C'est long, la réparation. Il faut juste qu'on trouve le bon chemin. Chris va être étonné de nous voir, hein. Bon, est-ce qu'il va se passer la même chose? Bah alors, il est plus là? BD1, inarrêtable comme toujours. Veste tactique. Bah l'ennemi est plus là, ok. Ah, tout débloqué dans le jeu. GG. Hey, qu'est-ce que t'as trouvé? Tu veux qu'on appuie dessus, hein? Ces trucs sont vraiment efficaces. Ok, il faut qu'on trouve un moyen de sortir de ce goudron. Hop là, ça c'est fait. Je voulais qu'il m'accompagne jusque-là, moi. C'est bon, tu peux venir? Il vient. Oh.
Un Goroku. Oh. Voyons voir ça. Je me re-hype. Ils me font extrêmement rire. Ah bah il y a un Steam. Niveau de force maximale augmenté. Un Steam, c'est possible? Ok, parfait. On va là-bas maintenant. Continuons d'avancer, on y est presque. C'est vraiment pas agréable. Il est beau. Il va se faire bouffer. BD1, est-ce que ça va? Je t'ai déjà dit de faire attention à ce que tu scannes. Allez, grimpe. J'aurais dû te laisser dans ce nid de ratard. Ok.
Les Boglings. Vous êtes très loin de Bogano. Tu crois que je pourrais le faire, BD? Oh, sympa. Je dois vider mon esprit. Allez, BD. Sympa le changement de paysage. On devrait plus être très loin de chez Grise. T'es déjà vu, toi, non? Nichoupix. Ouais. Regarde-moi ça. La vue est superbe, hein? C'est ton vaisseau dans la gorge déterrée? Oui, on a eu quelques problèmes techniques. T'as dû croiser les pillards du chaos. Ils nous ont sauté dessus direct. Ah, contente que t'ailles bien. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Je cherche un vieil ami. Tu connais Grise Dritus? Oh, Grise? Bien sûr que je le connais. Je m'occupe des écuries en ville. Mon nom, c'est Mozy. Moi, c'est Cal. Et voici BD1. Dis donc, t'es un joli petit droïde, toi. C'est bon de voir un visage amical. Pour moi aussi. La voie semble dégagée d'ici. Tu devrais pas avoir d'ennui. À moins que tu les cherches. Oh, et... dis bonjour à Domadendra quand t'arriveras en ville. Elle... voit pas les étrangers d'un bon œil. D'accord, j'en prends bonne note. Merci du conseil, Mozy. Pas de quoi. Je m'attendais pas à te revoir aussi vite. Je pensais aller faire un tour aux écuries. Eh ben, c'est pas ici. Je m'occupe juste de Brutus, là. C'est un écho. Les écuries sont en ville, là-bas. Et si tu trouves une bête que tu veux faire sceller, passe me voir. Je vais ouvrir l'œil, Mozy. Merci. Intéressant. Est-ce qu'il y a une mécanique comme quoi on peut avoir des montures? Ce serait pas mal. Dévoreur. Arrêtez, vous continuez. Qu'est-ce que c'est? Amlik. Oh. De Kashyyyk.
besoin d'aide, BD. Je sais pas. Manger ou boire un coup. Bricoler, voyager, ce genre de truc, quoi. C'est un gaspillage des fonctions du processeur. J'ai là-bas. Ok. Bestiole. Est-ce que je peux la monter? Non. Bien joué. J'ai pas cherché à comprendre, elle se retournait vers moi, j'ai attaqué. Et voilà. Et c'est pas mal, hein? Ça me sent bien. Et voilà. Comme neuf. Enfin, presque. La guerre des clones commence à dater. On a gagné ? Non. Oh non. Totalement parti à l'opposé. Ça c'est cool, le monde est beaucoup plus ouvert que dans le premier. Je l'ai vu au dernier moment. J'ai besoin d'un coup de main. De leçon à tous. Si vous touchez à mon avant-poste, je vous traquerai et je vous tuerai moi-même. Tu es jusqu'à quand? Normalement jusqu'à minuit. Mais pas que sur Star Wars. Là, à 18h, on part sur Poké MMO. Oh, il y a du voyage rapide maintenant. Oh, trop bien. Et après, bah, je verrai. On peut y aller. C'est le moment de changer d'équipement. J'en suis plutôt fier.
Hop. Vu la planète, on se met au niveau de planète. Hey, j'ai une proposition pour vous. Vous voulez faire l'affaire de votre vie? Peut-être. Je vous écoute. Certains se sont aventurés dans la mine là-bas, mais on ne les a jamais revus. Exactement, dans la mine, petit droïde. Dans la mine. Ça pourrait être le début d'une tragédie. Comme beaucoup de choses sur Kobo. Les prospecteurs cherchaient de la priorite. La mine en est pleine. Mais la priorité, c'est de sauver ces gens, bien sûr. Je vais aller voir ça. Là, c'est sérieux. La mine est juste là-bas. Vous ne pouvez pas la rater. Eh ben, on a des quêtes secondaires dans le jeu. Ça, c'est sympa. Ok. On y est presque. Ça va faire du bien de revoir Grise. Ça faisait un bail. Peut-être qui sait où se trouvent les autres maintenant. Serré et bloqué dans le passé. Et Meryn en errance. C'est de l'histoire ancienne. Ils ont pas l'air très sympas. Elle est où sa cantina? C'est ce gros truc là? Tu pensais pouvoir nous arnaquer? Non, c'était juste un tout petit malentendu, hein? Lâchez-le. Ça. C'est hors de question. Cette chose nous a vendu une relique hors de prix. La clé qu'on cherche depuis longtemps. Sauf que, bien sûr, c'est une faute! Je croyais que c'était la vraie, Révis, promis! Oh. Je te crois. Mais je ne peux pas tolérer des erreurs pareilles! Prenez ça comme un investissement! Voilà ce qui arrive quand on contrarie les pillards! Tuez-le. Ah, ça suffit. Partez. Un Jedi. Rappelle à notre ami pourquoi son espèce est censée avoir disparu. Voilà.
La prochaine fois que tu veux te battre, viens nous trouver. Quel plaisir de voir un Jedi en pleine action après toutes ces années. Noble chevalier Jedi, si tu retiens ta main, je me retirerai en paix. On se reverra. C'est lui, Thomas! Et celui qui a tenu tête au pillard du chaos! Bon, ça suffit, Turgle. Turgle, viens par ici. Eh oui. C'est vous, Doma? Oui, c'est moi. Tu as un nom, Jedi? Moi, c'est Cal. Et voici BD1. J'apprécierais si vous pouviez garder ça secret. Ici, à la frontière, le seul moyen de survivre, c'est de se serrer les coudes. Bien dit! Rien ne t'obligeait à intervenir, et pourtant tu l'as fait. Oui, tu l'as fait! Turgle, tais-toi. Ouais. On ne révélera pas ton secret. Cal. Ça nous est bénéfique à tous les deux. Merci. Si c'est un blaster qui te fait courir, t'as intérêt à déguerpir. Viens au pylon boire un coup et repasse vite nous faire coucou. Oh, un client potentiel. Qu'est-ce que je te sais? Moi, rien. Merci. Oh, c'est bien dommage. Je cherche un vieil ami. Quatre bras, poilu, pas discret. Ah, et relativement petit. Tu peux sortir maintenant, la voie est libre. Moi, je te le dis, mon, ces pillards du chaos vont foutre en l'air ce patelin. On n'a aucun espoir. Que dalle. Zéro. Nada. Ça roule, BD. Ah. Attends. Oh, Cal. Cal, Kestis. Ramène-toi, nom d'un petit bogling. Oh, ça faisait longtemps. Tu m'as manqué, gamin. Salut. Laisse-moi te regarder. Oh, t'as une sale tronche. Content de te revoir aussi, Grise. Hey, tu prends bien soin de lui, j'espère. Tu entretiens bien le Mantis. Disons qu'on a eu des ennuis lors de la dernière mission. Quel genre d'ennuis? Le genre impérial. Non, j'aurais dû m'en douter. Il traîne aussi autour de Kobo ces temps-ci. Le giro du Mantis est calciné. On aura besoin de ton aide pour repartir. Mais bien sûr, tout ce que tu veux. Je t'en prie, prends-toi un tabouret. Et Monk, sers à mon ami une boisson dont t'as le secret. Rafraîchisse-moi. Je t'apporte un Monk sur moi, tout de suite. Sois le bienvenu au Pylon Saloon, la meilleure cantina de ce côté de Zeltros. Ouais, ta description ne rendait pas justice. Et voilà, à la tienne. Avec Monk, on l'a repris à l'ancien proprio. Parce que, il est mort empoisonné par Blaster à coup des pillards du chaos, si tu vois ce que je veux dire. J'ai eu l'affaire à eux. T'es sûr que ça va, Grise? Ah ouais, ça va. Tant que j'ai pas un truc qui leur fait envie. Hey, qu'est-ce qui t'est arrivé au Mantis? Oh, on était sur Coruscant. On récupérait des infos pour So Guerrera. Ça a dérapé. On n'est que deux à avoir survécu. J'ai l'impression de servir à rien. L'Empire devient de plus en plus fort. Depuis que l'équipe s'est séparée, c'est plus pareil. Ouais, c'est vrai qu'on a passé de bons moments, hein. Toi, moi, la sorcière, Serré. T'as eu de ses nouvelles récemment? Merine a tout le temps la bougeotte. Elle explore la galaxie et se fait de nouveaux amis. Je parlais de Serré. Non. Ça fait un bail. Et toi?
Grâce à ses crédits, on a relancé les affaires ici, mais on attend encore sa visite. Elle doit être occupée avec son nouveau projet. Hé, Cal, pourquoi tu te reposerais pas un peu avant qu'on répare le Mantis? La galaxie peut bien attendre quelques heures. On devra sans doute reprendre la route dès qu'on aura terminé. J'ai une chambre de libre au sous-sol que j'ai bichonnée spécialement pour toi. Tu devrais aller y jeter un œil. D'accord. Merci, Igris. Hey. Sous-sol. Cette scène a vu des jours meilleurs. Impossible que ce truc soit aux normes, même ici, dans la bordure extérieure. Ça, c'est la cuisine. La cave doit être par là. Ça me rappelle quelque chose. C'est pas dans un des derniers films de Star Wars, non ? Kobo est loin de la route commerciale la plus proche. Grise en profite pour faire de la récupération. C'est toujours bien une mise à jour. Tenue de ferrailleur. Pourquoi Grise a gardé ça? Ouais, c'est flippant. Ok. Bon, et eh bien. On va s'arrêter là. À tout à l'heure, bon appétit, Yann. On va s'arrêter là pour la session d'aujourd'hui. A priori, ça sauvegarde automatiquement à chaque truc. Et on va.